Salut à tous, c'est Okan, bienvenue sur League of Legends. Encore une fois, nous allons parler de la 3v3 et du problème d'honneur qu'il y a dans les commentaires. Parce que je lis des commentaires, les gars, vous êtes complètement insane. Il y en a qui me font rire, il y en a qui me rendent content parce qu'il y en a qui s'amusent dans le jeu en 3v3 et ça me fait super plaisir. Il faut comprendre que ma première vidéo qui explique comment avoir de l'honneur rapidement et plus facilement, il y avait beaucoup de trolls, il y avait beaucoup de second degré. Trouvé comme adjectif pour dire que son skin est beau, des trucs comme ça, mais les gens, j'espère que vous avez compris ça, sinon c'est assez grave, mais j'avoue qu'il faut que j'évite le second degré sur YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs qui le disent, mais bref. Il n'y a pas besoin de faire tout ça, hein, juste au cas où, je vais vous montrer un exemple, je vais avoir deux honneurs sans parler, sans faire des mottes. Il n'y a pas besoin de faire ça, c'était juste pour mettre un petit peu plus de peps à la vidéo, un petit peu qu'elle soit un petit peu plus dynamique et que ce soit drôle. Donc là, j'ai attendu 1h du matin pour faire la vidéo, pour éviter qu'il y ait des gens qui me reconnaissent. Et vous allez voir que là, je vais faire la technique. Je vais prendre un champion extrêmement dégueulasse. Et vous allez voir que je vais probablement avoir les deux honneurs. Et de toute façon, il faut juste avoir un honneur. Merde, je devais pas parler. Oups, désolé, réflexe. Réflexe de dire salut. En même temps, là, j'ai juste dit salut. Un play sup. Comme tu veux, mec. Le mec avec qui que j'ai croisé, qui a fait la technique et qui voulait pas l'avouer. Moi, ça m'a fait mourir de rire parce que la personne, c'est une personne ultra gentille. Et il a joué le jeu, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si vous êtes toxique dans le jeu, jamais vous allez faire la technique. Vous allez juste écrire oh, les bandes de victimes et tout. Et vous allez jamais faire ça. Ceux qui font les nice guys, c'est parce qu'ils sont nice guys par défaut, en fait. Je veux dire, de base, il l'était, c'est juste que il ne l'écrivait pas, en fait, tout simplement. Et le mec, alors le mec, il m'a dit qu'il s'était fait insulter, que ça, j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait des gens, mais pourquoi vous avez autant... Il y en a qui ont autant de haine en eux. Le mec a dû carrément se rename, apparemment. Pourtant, tu n'es pas obligé d'accepter les invitations, en tout cas, je suis désolé. Si tu veux que je te rembourse ton rename, il n'y a pas de problème. J'ai parlé avec lui, c'est un mec super gentil. C'est juste sur le moment, en fait, c'était la première fois qu'il faisait la technique, et peut-être qu'il me connaissait même pas, en fait, quand je lui disais Okan, il disait, merde, j'aurais dû dire créateur de la vidéo qui parlait de la technique d'honneur, bref. Donc, vraiment, bon, bah, ceux qui l'ont insulté, vous êtes, voilà, y a rien à dire, hein. Il y a certaines personnes qui me reprochent d'avoir pensé que ma vidéo a fait 18 000 vues, et je me la pète en mode, il y a énormément de gens qui font la 3v3 alors qu'il n'y a pas tant que ça. Le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font la technique en 3v3. Là, Nautilus... J'ai attendu 1h du mat, hein. Mais là, je demande au Nautilus s'il a vu la vidéo, ça m'étonnerait pas, en fait. Comment dire? En fait, sur la première vidéo, tu vois, je dis bienvenue. Je dis qu'il fallait faire un nice skin, mais tu vois, c'était pour rigoler. Et voilà, il a vu la vidéo. Mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas? J'ai attendu 1h pour faire la vidéo, hein. Et comment vous dire? Cette vidéo n'a aucun sens, du coup, en fait. Non mais en fait, non mais attends les gars, je comprends plus rien. Parce que là le mec, il est même pas français. Quoi? Attends mais... Quoi? Non mais attends, ouais, je comprends plus rien là. Parce qu'en fait, attends, je vous ai... Non, putain, mais... non mais c'est un délire. Mec, mais c'est un truc de ouf. Oh non. Mais je vais faire de la 3v3 toute ma vie, en fait. C'est trop rigolo. Le mec, il est parti vérifier, quoi. Oh, putain. Et donc là, il y a un mec qui parle même pas français et qui fait la technique. Oh. Je suis en train d'halluciner, les gars. Donc, en fait... Alors, en fait, ça explique beaucoup de choses, en fait. Ça veut dire que donc déjà j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que. Oula. Du coup en fait le joueur qu'on a croisé me connaissait pas en fait de base. Il a juste vu la vidéo mais il connaissait pas qui j'étais. Comme le Nautilus maintenant en fait. Tu vois le Nautilus, si je lui avais pas dit que j'étais le créateur de la vidéo,
Il aurait jamais su que c'était moi. Putain, donc il n'y a pas que des Français qui font la technique. Mais c'est un truc de malade. Et je vous jure, c'est pas scripté, les gars. Je vous jure, c'est pas scripté. J'ai attendu une heure pour justement ne pas avoir de Français. Oui, il y a des gens qui me reprochaient, qui me disaient, purée, ta vidéo fait pas non plus 50 milliards de vues, là, tout le monde fait pas ta technique, ne te crois pas, voilà. J'étais le premier à me dire ça, je me dis, quand les gens me disaient, ouais, y a que des Français, mais je vous croyais pas, en fait. Genre, je me dis, c'est bon, la vidéo, elle a même pas 20 000 vues. Pourquoi il y aurait autant de gens, en fait? Et en fait, bah, j'ai joué, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français ou de gens qui faisaient la technique, qui font la technique, en fait. Donc, c'est même pas une histoire de me la péter, en fait. Je me la péterais pas avec ça, en fait. Je me péterais si j'étais challenger ou un truc comme ça. Et il y en a qui s'amusent de ouf, là, dans la game. Ah! J'arrive pas à le finir! Ah merde, je pensais qu'il avait, il avait plus de points de vie. Oh mon dieu, des grosses, grosses barres. Donc là, désolé, hein, cette vidéo, normalement, je voulais vous montrer une façon de... Tu n'as pas besoin de parler ou quoi que ce soit, ou mettre des émotes, ou de faire le mec un petit peu forceur comme j'ai fait dans la vidéo, mais c'était juste pour socialiser, en fait. Si vous avez la flemme de socialiser, moi, je vous ai montré une façon de socialiser parce que ça va vous donner des games différentes, en fait. Parce que sinon, vous allez en avoir marre. Alors que si tu parles à des gens dans la game, et ça va être trop cool, en fait. Vous allez vous balancer des émotes de joie, etc. Et je trouve ça trop insane. Je trouve ça trop bien, moi. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait, comme j'ai dit juste avant, si tu rencontres des gens qui font la technique, vous parlez entre vous, vous donnez tous un honneur, et c'est ultra rentable, en fait. Parce que vu que vous n'êtes pas en équipe, c'est parfait. Il parle même pas français, le mec. Il s'est abonné à ma chaîne. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, il y en a qui pensent que j'overreact, les gars, mais vous vous rendez pas compte à quel point, moi, ça me fait plaisir, en fait. Moi, ça me fait plaisir, je suis juste content. Désolé, je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas trop quand on s'amuse ou qu'on est heureux. Mais vraiment, moi ça m'amuse de ouf. Et je l'ai pensé vraiment, hein. Celui qui était dans la vidéo avant, il m'a vraiment fait rire. Et le gars, c'est vraiment quelqu'un qui a l'air super nice, en fait. Il y avait rien de malsain ou de... Pas de malsain, mais de méchanceté gratuite ou quoi que ce soit. Mais j'avoue, si franchement, si j'avais su qu'il y avait des gens avec autant de haine et aller l'ajouter pour l'insulter, jamais, jamais j'aurais fait cette vidéo. Je l'aurais flouté de ouf, le gars. Mais je pensais pas, moi le gars, il était nice. C'est pas comme s'il avait insulté ma famille. Le mec me disait des choses nice. Regarde, lui là qui fait la technique. Ce mec est ultra nice, oui il fait la technique. Donc là vous étiez prêt à aller insulter Nautilus, mais c'est un délire. C'est un délire. Là c'est le meilleur finish, on pouvait pas faire mieux que ça en finish sur la vidéo. Donc continuez de faire les good guys, les gars, parce que vous en êtes. Il n'y a pas besoin de ne rien dire. Si vous traitez de victime ou quoi que ce soit, Osef, Algérien, nice. Vous inquiétez pas, de toute façon, ceux qui sont toxiques ne feront pas cette vidéo, en fait. De base, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont Honor 0, Honor 1, qui ne le sont pas, en fait. C'est juste des gens qui veulent gagner, qui tryhardent le jeu. Et qui sont avec des gens qui s'en foutent du jeu, je vous comprends, ne vous inquiétez pas. Ouah, on est mort. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre que la vidéo, bah, elle a pas 1 million de vues, elle a même pas 50 000 vues, et j'arrive à trouver autant de gens qui ont vu la vidéo en faisant de la 3v3, j'arrive toujours pas à comprendre, mais moi, ça m'amuse de ouf, parce que bah, je parle avec des gens, ça socialise, et c'est rigolo, en fait, c'est tout simplement rigolo. Et ça change, et je suis content qu'il y en ait certains qui s'amusent à aller en 3v3 maintenant, parce qu'ils voient que c'est... C'est marrant, en fait. C'est marrant de voir autant de gens de la communauté. C'était rigolo comme expérience, la 3v3. Et je vais vous montrer dans une vidéo, la 5v5, qu'on peut avoir des honneurs sans parler et sans mettre des mots. C'était du second degré de ouf. Et c'est surtout pour socialiser. Mais je vais vous montrer une façon, si vous voulez, pour les autres qui veulent regarder un petit film en attendant. Je vais trouver une technique pour vous, vous inquiétez pas. Je vais l'honorer parce que, évidemment, j'ai parlé avec lui. Et puis, ça a l'air d'un mec super trop gentil, le mec trop cool. Et donc, voilà. Donc les gars, calmez-vous, je pensais pas que la vidéo, il y aurait autant d'impact, c'est juste trop bien. Ah, personne n'a eu de... Merci bro. Oh, on s'est tous honoré. On s'est tous donné un honneur, je pense, c'est cool. Tout le monde a eu un honneur, c'est bon. Ok, cool. Vous voyez le truc? Regardez comment on est tous heureux, putain. Pour ça qu'on a fait ça, je trouve ça trop bien. On a fait de la 3v3, on a plus ou moins parlé avec tout le monde. Silence, bon, bah, lui, il était plus dans son coin. La Zaira, il a eu un honneur. Tout le monde a eu un honneur. On a eu tous un honneur. Et c'est beaucoup plus rentable d'avoir un honneur quand t'es seul, que t'as Q seul, que en équipe. Parce que quand t'es en équipe avec des gens et vous vous honorez tous,
vous allez gagner moins d'honneur en fait. C'est-à-dire que l'honneur est moins important. Là, il est très très important cet honneur-là. Donc si vous continuez à faire ça et vous avez juste un honneur, c'est largement bien. Pas besoin d'avoir les deux honneurs, pas besoin d'être dégoûté pour avoir les deux honneurs. Et cette technique que je vous ai montrée, j'aurais dû préciser que c'était surtout pour socialiser. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Mais là, la vidéo, juste le Nautilus qui parle pas français, moi franchement, ça m'a mis mais trop trop bien, c'est trop rigolo. Le mec parle même pas français. Il a vu la vidéo, il allait check, il me connaissait pas du tout. Il allait check, il a fait « Ah ouais, c'est bien toi !» Putain, des grosses barres. Bref, c'était la vidéo 3v3, on a rencontré un Algérien, je crois. Algérien, il y avait dit ça. Et moi, ça m'a fait des grosses barres encore une fois. Et c'est ça, hein. Il est 1h du mat, les gars. Il est 1h13 du mat en France. Et là, il n'y a plus de français. Mais il y a d'autres gens, en fait. C'est trop, trop bien. Bref, à plus. On est en stream. À bientôt, tout le monde. Ciao, bye.